Salut à tous et à toutes, c'est Génétique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit squad builder, vraiment une équipe low cost pour ceux qui, par exemple, débuteraient une bonne BPL, mais vraiment une superbe BPL à moins de 10 000 crédits, 10 000 crédits grand maximum si vous êtes sur PS4 ou sur PS3. Donc, on va pas attendre. En goal, j'ai choisi Guzan. 1m93, donc déjà il est assez grand, on pourrait dire, pardon. Acheter 450 crédits, 81 de plongeon, 82 de réflexe, 78 de positionnement, il est très bon. Donc avant de passer au défenseur, je tiens à préciser que j'avais cette équipe et je l'ai utilisée pendant une cinquantaine de matchs et je l'ai revendue et je l'ai re-achetée pour vous faire le squad builder. C'est pour ça que vous voyez que j'ai fait que deux matchs, mais j'en ai fait beaucoup plus. Défenseur gauche, j'ai choisi Soaré. Acheté 600 crédits, 1m78, 81 de vitesse, 74 de défense, 75 de physique, avec 72 en passe, donc pour les relances, il est nickel. Défenseur droit, Cédric. Acheté 800 crédits, 1m72, 78 de vitesse, 76 de défense, 73 de physique, 72 de passe également. Avec 4 étoiles de mauvais pied, il peut relancer ainsi que Soaré. Ensuite, les deux défenseurs centraux, j'ai mis Evans et Stones. Alors, on va commencer par Evans, acheté 900 crédits, 1m89, il est très grand. 70 de vitesse, 80 de défense et 75 de physique. Il a la capacité d'un joueur or rare. Voilà. Et Stones, acheté 850 crédits, 1m88, donc il est très grand lui aussi. 72 de vitesse, 78 de défense et 75 de physique. Pareil que Evans. Ils ont tous les deux la capacité de deux défenseurs centraux or rare. Ensuite, milieu central, le premier, j'ai choisi Gueye. Acheté 550 crédits, 70 de vitesse, 77 de défense, 77 de physique. Vous voyez qu'il est complet partout pour un milieu central. Défense élevée, attaque moyen, donc c'est parfait. Et le deuxième milieu central, il est MDC. Voilà, Emre Can. Acheté 800 crédits, 1m88, donc le physique, lui, je pense que il en a assez. 75 de vitesse, 72 de défense, 74 de passe, 79 de physique. Il peut faire des passes décisives comme il peut défendre. Avec 3 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds, il est énorme. Ensuite, milieu offensif central. Wijnaldum, acheté 750 crédits. 2 matchs, 1 but et une passe décisive. 1m75. Élevé en attaque, moyen en défense, c'est parfait. Le seul bémol que je trouve à ce joueur, c'est qu'il n'a pas les 4 étoiles et qu'il a que 2 étoiles en mauvais pied. Mais sinon, regardez ses stats, hein, elles parlent d'elles-mêmes. Pour un milieu offensif, il est juste super complet. Après la défense, ça ne compte pas vu qu'il est milieu offensif. Ensuite, milieu gauche, enfin attaquant gauche, mais milieu gauche. Moses a acheté 500 crédits. 4 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pieds, ça fait plaisir ça. 82 de vitesse, 81 de dribble et 69 de physique. 71 de tir. Après, bon, vous voyez ces stats, hein, elles sont énormes. Les passes, c'est pas trop son fort, mais il peut vous centrer, il peut vous faire des passes décisives. Il peut tout faire. Milieu droit, Flotovin, acheté 700 crédits, 1m79, donc attaque élevée, moyen en défense, 4 étoiles de gestes techniques et 3 étoiles de mauvais pieds, 81 de vitesse, 81 de dribble, 61 de physique, 71 de tir et 74 de passe. Il est, comment dire, il est bien, mais il manque un peu de physique. Pour un côté droit, c'est assez dommage. Et enfin, le buteur, celui que je préfère de cette équipe parce qu'il est monstrueux, Zárate. Acheté 550 crédits, c'est rien, c'est rien. Deux matchs, deux buts.
4 étoiles de mauvais pied et 4 étoiles de geste technique. Ça fait plaisir encore une fois. 77 de vitesse, 83 de dribble, 65 de physique, 78 de tir, 70 de passe. Un peu de physique, un peu plus de physique, ça ne serait pas de mal. Mais à part ça, il est juste très très bon. Il a une finition digne d'un Lewandowski ou d'un Suarez. Il est juste énorme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait cette équipe. Et pourquoi pas me donner votre avis également. C'était Genetics, prenez soin de vous. Et peace !